bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Durand, j'ai réalisé le film Chien de la casse, qui est en salle actuellement, que j'ai tourné quasiment intégralement au Pouget, donc mon plaisir d'héros, ça sera le Pouget, dans la vallée de l'Hérault. Donc moi j'ai grandi à Montpérou, j'ai passé mon adolescence là-bas, et le film que j'ai réalisé porte sur la jeunesse de la ruralité. Et comme je trouvais que la jeunesse de village, de la ruralité, était vraiment sous-représentée, voire pas représentée au cinéma, il m'apparaissait nécessaire en tant que cinéaste de mettre en lumière cette jeunesse. Donc j'ai ancré mon histoire au Pouget, un village parfait pour accueillir le récit. Je pense que sans faire exprès, j'ai un peu écrit pour le Pouget. C'est vrai que j'allais régulièrement. J'avais un peu sillonné la région, pris des photos ça et là. Et quand je suis allé me promener dans le Pouget, dans le vieux village, dans la Circulade, et je me suis dit qu'en fait c'était une évidence de tourner ici, il y a eu un vrai coup de cœur, comme on tomberait amoureux. Quand j'ai continué à écrire mon histoire, je l'ai vraiment pensé pour le Pouget, avec cette circulade étonnante, la fontaine du Griffe, la place haute où se déroule l'essentiel des soirées des personnages du film. Donc voilà, c'est un village que je trouve hyper beau, qui est presque une carte postale. C'est vraiment le village touristique où il n'y a pas de touristes parce que c'est pas connu. Mais c'est trop beau. Donc c'est ce contraste-là qui m'intéressait, d'avoir vraiment un village particulièrement joli, particulièrement beau, et de le contraster avec cette jeunesse qui semble avoir les codes de la banlieue, et que je déploie dans ce film à travers une histoire d'amitié très agréable et très important pour le film, de pouvoir déambuler avec les personnages dans les circulades, dans les rues, où l'horizon semble bouché, en même temps, voilà, au détour d'une rue, on aperçoit les montagnes et la vallée de l'Hérault. Et on a été accueillis très généreusement et avec beaucoup, beaucoup de bienveillance par la mairie, par les habitants du village, parce que c'est vrai qu'un tournage, ça peut être un peu impactant. Les routes sont bloquées, on doit faire des tours pour rentrer chez soi. Et malgré ça, on s'est heurté uniquement à des sourires, à un accueil chaleureux. Et donc voilà, le film a été diffusé aussi au Pouget, récemment, et très bien accueilli par les habitants, donc j'étais content de leur avoir fait honneur à travers ce récit de fiction. Et quand vous allez le voir au cinéma, vous allez vouloir vous précipiter pour aller voir les circulades du Pouget.